Allez, c'est parti. En route pour Mafate. Ce coup-ci, on y va. Pour de bon. L'aventure qui commence en 4x4. Quelle aventure. Traverser les rivières. On est toujours quelle aventure. Je te tiens. Pas du tout. Le gainage. Le gainage. Allez, va, ça va? Oui. Et début de rando. Tout le monde est bien chaud. On se retrouve dans une ou deux heures. 3 ou 4. Et là-bas, on se met bien, quand personne ne regarde. Celle-là aussi. Olé, 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 olé. Ah, oh. Le chapeau. Filmez. Filmez. Le père, la casquette, et la fille. Et moi. C'est dans la boîte. Est-ce que c'est Gore-Tex à l'intérieur aussi? Ah oui, ça c'est collector ça. En tout cas, c'est dans la boîte. On montrera ça à tous les employés de la rue à marcher avec les mains. Et voilà, après une petite pause fraîcheur qui a fait du bien, on est reparti pour chercher les mafatiens. Pour chercher les mafatiens, pour un petit peu de marche encore. Avec les paysages toujours aussi beaux. On commence à rentrer dans le vif du sujet et devant, on ne les entend plus trop. Là-bas, là, tous les pimpins. J'essaie de profiter du paysage de temps en temps quand même, parce que c'est magnifique. Tu peux leur montrer? Oui, je leur montre. Voilà. On est en plein milieu de la savane. Pas besoin d'aller en Amazonie, venez à La Réunion. Merci. Allez. Là ça grimpe un petit peu, hein. Juste.
Potioc à La Réunion. Un petit sourire dans cette grande fatigue. On marche avec les locaux, nous. Allez, à tout à l'heure, Cataleya. Bye bye. Tu vas? C'est ma place, hein. Ah oui, voilà. En fait, quand c'est coincé, qu'est-ce que tu penses en double alors? 130. Quand on est arrivé à ma... On est à Mafat? Ouais. Ah oui. On est arrivé à Mafat en début d'après-midi. Ensuite, il y a une petite partie du groupe qui est repartie pour un petit trail de 8 km à peu près. Et puis là, on est revenu au gîte. Gîte assez sympa. Il y a les dortoirs à l'intérieur. Et puis nous, on va dormir dans les tentes en extérieur. Nous, on dort là. Là. C'est loin de. Et voilà, petit apéro tranquille, petite bière. Voilà. Et donc, on est bien. Voilà. Bon app. Attends. Non, mais moi, les gars. Allez, stop. Ça, je l'ai la petite. Réveil au petit matin, on va aller voir la vue. Non, ah non, c'est pas non plus. Voilà, on est reparti pour une bonne matinée de marche. On va refaire au début ce qu'on a fait hier en courant. On va le faire qu'en descente par contre ce coup-ci. Et tranquille quoi, puisqu'on a les sacs. Grand ciel bleu ce matin, ça fait plaisir. On voit les pics, mais du coup ça tape. Hier, le ciel gris, au final, c'était pas plus mal. Voilà, donc ça c'est la descente qu'on s'est faite hier, en courant. Pas mal d'escaliers ici en bas, et puis on descend jusqu'en bas là-bas. Il y a une espèce de canyon avec une cascade et puis la vue, toujours aussi sympa. Voilà, du coup c'est ici qu'on est arrivé hier, jusqu'en bas, avec une vue plutôt sympa. On est arrivé de tout là-haut, derrière encore, ça grimpe. Et on a fait un petit plouf ici. Et puis voilà, bien sympathique. Petit atelier ostéo. Dans la vie de randonneur, toujours être équipé. Mets la bête en vie. Bon ben quand il y a de la descente, il y a de la montée. Forcément. Forcément. Ce serait trop facile sinon. Tu veux la refaire ? Du coup, on se fait intercepter par la télé là. Serrez les becs. Prêt à être interviewé. Ça se prépare là-bas avec des caméramans. Et nous, on va faire les acteurs. Pas fatigué, c'est chouette. Il y a quelques bassins aussi. Non. Alors quand vous vous rencontrez les Mafaté, là vous avez rencontré, c'est important de rencontrer les gens. Ah bah oui, c'est important.
Alors Papy Brossard, qu'est-ce que t'en penses? Il est fatigué mais il veut un code citron. Hein. Et la CAF? Moi je veux des bouchons. Bouchons Siam. Et Zouzou? Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense du finish? Écoutez, ma foi, c'était pas mal. Les cuisses en feu. Wouhou!